Amen. Amen. Pourquoi on dit pas ça? Vous allez parler au vieux du ciel. Ça n'est pas un amusement. Demain chez toi, tu dis des bases aussi. Je ferai quelque chose de venir ça. Vous jouez la puissance de Dieu. Vous jouez, vous avez ça. Puis les sorciers, tous nos deux de vous, parlent pas. Vous mettez sa fille depuis Paris. Je dis, c'est ton papa qui est dedans. Je vois si dans mon bureau, là, il est toi. La mère qui ne va pas sortir. Amen. Amen. Chaud, pas oublié, mais on n'est pas trop près pour ça. Mais doucement, doucement, on y va. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est Satan qui vient ici, vous, Satan. J'ai commencé le programme le 4e jour, tout ça. J'étais en plein croisade, je vois M. Gaillard, Jean. En paille, en paille. Il fonce tout droit vers moi. Et puis, il y a tout. Sorcier. Venez, venez parler. Il dit, s'il vous plaît. Il dit, mais vous ne parlez pas de qui? Vous ne voulez parler en tant que qui? Il n'y a pas eu cette confrontation. Moi, j'étais prêt. Il a eu le fait tomber là et manger la tête. C'est qui? Il dit, non, vous avez gagné. Elle a dit ça là. Ça m'a plaisir. Amen. Hein? Moi, il venait pour confrontation. C'est trop prêt. Vous savez, Dieu aime le spectacle. Si vous ne savez pas, Dieu aime tout le spectacle. C'est ce qu'il a compris. Il y a allongé le spectacle entre lui et les prophètes de Baal. Dieu aime tout le spectacle pour amener beaucoup de personnes à la conversion. C'est tout. C'est tout. Elle n'avait pas d'un géant dans le village. En mairie, le géant vient se déplace. Il pensait que c'était contre la zone. Et alors, il dit, si le gars l'a fait errer, il mange la tête. Tout de suite. Amen. Parce que nous avons le pouvoir de lier, de délier. Tout ce que vous liez, tout ce que vous liez à mon nom, sur la terre, sera lié dans les cieux. Tout ce que vous liez. Tout ce que vous déliez sur la terre, sera délié dans les cieux. Il dit, vous avez gagné, mettez-vous en genoux. Vous allez voir ce que tu dis en vrai. Vous savez bien, vous. J'ai dit, encore, pour expliquer. Il dit, Dieu, ton Dieu, là, il est fort. Amen. Il a dit, mais tu n'as rien dit, c'est pour ça que j'ai reçu. Si le Seigneur n'était pas fort, là, je n'allais jamais le servir. Jamais. Il faut que je te gagne, il n'est pas fort. Amen. Amen. Moi, j'étais fils des musulmans, j'ai senti aider à Jésus pour le suivre. Je ne vais pas me lever un matin pour ce un Dieu qui ne fait rien pour moi. Pourquoi? Je suis bête ou bien? Allez, c'est un Dieu comme ça, tu ne le vois pas, puis tu vas aller au paradis comme ça. Non. J'ai quitté la région musulmane pour me donner au christianisme parce que j'ai vu que Jésus était fort. Amen. 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 Il m'a démontré à plus P qu'il est puissant. C'est ça que les gens me demandent, un prophète, c'est bien, moi c'est musulman, je ne parle pas de religion. Je te parle de la puissance de Dieu. Amen. Nos conversations seront au centre de tout ça, Jésus. Si tu n'accèdes pas dedans, c'est même à la fin de ma projet. Je ne parle pas de religion. Je te parle de Jésus qui est puissant. Ce n'est pas une question de religion. Tu es là-bas, la vie qui est brillante, tu manges. Un Dieu qui fait rien pour toi, tu chantes le Dieu. Tu es obligé d'être là-bas. Comme c'est pour mes parents. Je vais dire, monsieur, c'est pas qu'il sait Jésus. C'est parce qu'il est puissant. Mais j'ai commencé à arracher les aveux, monsieur. Il a commencé à parler. Il dit, depuis Abidjan, qu'on a annoncé, qu'on est arrivé ici, j'ai commencé à appeler ton âme. Oui. Ils sont très forts dedans. Et de moi, mon âme, tu apprends ça. Ah! Je suis un oint. Amen. 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 Ta sale bouille de sorcier là, tu as dit mon nom, mon âme a sorti vite, vite. Toi, on te prend vite, vite, on t'attache dans un arbre comme cabri. Il a dit mon nom, mon âme ne bouge pas. Mon nom, mon âme ne bouge pas. Dites-moi, mon prophète ne va pas permettre que tu me manges. L'éternel est mon. T'as foutu mon âme. Vraiment, quand tu rentres dans le village ici, ceux qui pêchent les crevettes, les béninois qui sont là, on a tout fait mentir, un cabri noir vivant. On a vu tout ton nom pour que tu meurs. Ça fait 4 jours que tu es vivant. Moi, là, je suis tout ce que tu peux faire pour faire. Et me rends. Amen. Il
tu as le CD, si tu as le CD, vous me trouvez, on va prouver ça un peu, peut-être 5 minutes, vous allez voir. Il a le CD, celui. Je l'ai regardé, tu crois, s'il dit non, toi ton Dieu est fort. Je suis monté avec lui vers l'école, pour libérer l'école. Je suis descendu avec lui, pour libérer les gens. Amen. Frère, ton Dieu est puissant. Amen. Parce que la nation est là, il va se faire voir. Non, c'est pour vous amener à comprendre que quand on est dans le christianisme, ce n'est pas de la comédie. Amen. Amen. Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu le diable. Dis à quelqu'un, Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu le diable. Monsieur, vous êtes au courant, vous savez là? Vous savez que Jésus a vaincu le diable. C'est ça? Ça vous dépend. Jésus a vaincu le diable, non? Jésus, il a vaincu le diable, c'est ça? Oui, je suis au courant. Il est bon, il n'est pas vivant, il n'est quelque part là-bas. Il n'est pas de notre monde. Je t'informe qu'il a fait. Il a vaincu le diable. Amen. Il est au courant. Je ne dis pas pour que le grand Jésus a vaincu le diable. Je vois des pères là-bas qui mangent pépé soupe, sauce cabri, sauce coffee, sauce arachide. Non, mais je suis choqué ce soir. Il n'est pas au courant que Jésus a vaincu le diable. Vous avez rien dit, non? Jésus a vaincu le diable. Il a vaincu le diable. Amen. Je vais te montrer tous les versets. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le monsieur, c'est comme ça. Il a libéré le pétrole. Il a libéré le village. Et puis, il a eu une petite boisson sur sa vallée. Bonus. Il allait en Mauritanie. Oh. Bien. Fais paix à son âme. Trouble à son âme. La magie. Ces aveux là, c'est terrible. Il mange. Même en portant, il mange. Je nourris. Pendant que tu as demandé un poisson, c'est comme ça qu'il mange. Il se lève matin, il mange. Il est parti en Mauritanie. Il dit amen. Nous avons le pouvoir. Au nom de Jésus. Amen. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. La seule stratégie, le gars qui fait peur. Il y a une soeur qui a tout à l'heure, une fille disait on doit aller au funérail, mais on nous dit que si on va, les sorciers vont nous manger. C'est un homme de Dieu qui a dit mais justement, c'est une erreur. C'est une erreur. Au lieu de vous encourager dans votre foi, le diable dit des choses, mais ça ne va pas arriver. Ils ont décidé de me tuer. Quelle menace ne reçoit pas Jacques? Quelle menace? Amen. Amen. Maintenant que les mots là sont faits pour abattre les gens. Seulement. C'est qu'ils ont. Dis à quelqu'un que Goliath tombe, que ton Goliath tombe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un que ton Goliath tombe. Les gens les chrétiens ont peur. Ils ont même peur de prier. Parce qu'on dit que les sorciers, voici mon village. Moi, ils m'en veulent au village. Moi, je ne peux pas empêcher un sorcier de penser. Comment tu as fait ta sorte graine? Va faire marcher. Si tu veux. Fais marcher, si tu peux marcher. Tout ce que tu veux. C'est toi-même qui as te manger. Amen. Parce que l'Éternel me protège. Il veille sur ma vie. Et bien ma fille, il faut partir, il n'y aura rien. Elle a foi en Dieu, c'est tout. Le diable fait des fois pour vous effrayer. La stratégie du diable, c'est de vous faire peur. De mettre les paroles de Dieu en vous. Amen. Les paroles, vous allez partir, le diable vous attend. Mais qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit que rien ne pourra tenir. Lui, 10, verset 19. Il t'a donné le pouvoir. Lui, il a programmé. Toi, tu as le pouvoir de déprogrammer les choses. Dis amen. Amen. Tu es le déprogrammateur et puis tu as peur. Des plaisantins. Pas Jésus-Christ s'est levé le matin pour aller à la croix, se mettre nu à la croix. C'est un jeu pour lui. Aller à la croix, qu'on se mette nu comme ça. Et puis, il y a les pénètres pour dire vous savez, il vous dit une chose.
il t'a déjà donné le pouvoir. Amen. Si tu veux dors, le diable prend le dessus. Il t'a donné le pouvoir, il ne viendra pas te défendre. Non, tu as déjà le pouvoir. C'est ça qu'il a dit à Moïse, parle à la mer. Toi là, qu'est-ce que tu fais? Parle à la mer. Il faut la mer. En train de parler, tu es en train de crier, parle à la mer. C'est une situation, parle à la situation. Tu as le pouvoir de régler cette situation. Dis la mer. Dis-moi qui? Tu as le ciel, le celui qui a le ciel et la terre avec toi? Tu as le pouvoir céleste avec toi? Tu as Yahweh avec toi, le Dieu d'Israël, toi tu trembles devant qui? Amen. Amen. Le diable se fera miracler des vilaines choses. Tu peux croire que toi tu n'es pas fort. Amen. La Bible dit que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. C'est Jésus-Christ. Amen. Qui est fort, qui t'a légué son pouvoir. Amen. C'est tout. Amen. Amen. Si les gens veulent faire croire à David qu'il est petit, il avait une force en lui. Son pouvoir c'était Dieu. Amen. J'ai dit à la fille, va. C'est quoi, quel funérail, quel sorcier a demandé? Non, un homme de Dieu a dit. Mais c'est ça l'erreur aujourd'hui. Tous ceux qui m'appellent de l'Europe, non, on avait une révélation ici. Il dit, mais vous ne connaissez pas sorcier. Et ils ont quête privée. Il peut te manger depuis Paris. C'est la question, non, je n'ai pas encore de voir. Vos pasteurs, là, c'est pour ne pas vous venir en Afrique ici. Vous allez venir construire vos maisons, acheter vos maisons. Vous allez prendre vos héros, vous allez lancer vos pasteurs. Allez, ça, quand tu viens ici pour investir, tu venais venir, tu devais venir investir en Afrique. C'est quoi l'histoire des noms? Si vous venez, vous voyez la fortune. C'est vrai, il y a la sorcellerie, nous avons le pouvoir sur la sorcellerie. Amen. 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 C'est quel fléau, c'est quel mal où il n'y a pas de solution. Et voilà, ils ont trouvé le remède. Combien? Ils ont trouvé le vaccin. Donc Dieu va permettre qu'ils sorcient, son mal, il n'y a rien. Sorcier va te manger, il n'y a rien. Il n'y a pas anti-sorcellerie. Amen. Amen. Pourtant, il y a longtemps, Jésus a vaincu le sorcier à la croix. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout est à. Ah, c'est tout. Tout soudain un problème. Tout est accompli. C'est tout. C'est une question de vivre ta foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai dit sorcier ne va jamais me tuer. C'est comme ça. Chacun déclare sa foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On dit amen. Amen. Tu dis, tu vas jamais te marier, tu vas jamais te marier. Tu fais tout par celui qui te fortifie. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Tu as quelqu'un, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Tu as encore quelqu'un, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Je ne sais pas le pouvoir de Jésus. Je ne sais pas que Jésus a vaincu. Je ne sais pas, il dit qu'il a vaincu la vérité. Je ne sais pas, c'est ça qui est de l'autre côté. Mais je ne sais pas, hein. J'aime un peu sa sincérité. Je sais pas si les gens disaient, allez, oui, marcher contre moi, mais je ne sais pas vraiment. Amen. Amen. Jésus a vaincu le diable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu le diable. Amen. Amen. C'est toi qui le sais, Jésus, aujourd'hui. Dieu nous protège. Amen. Dieu, ce n'est pas un plaisantin. Jésus-Christ, ce n'est pas un plaisantin. Le christianisme, ce n'est pas de la plaisanterie. C'est une vie. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui est en Goliath. Amen. 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 Alléluia. Amen. Goliath, il faut qu'il tombe. Pour qu'il tombe au nom de Jésus, pour qu'il tombe. Amen. Amen. C'est une question de foi. Veuillez vous asseoir, asseyez-vous. Pas compliqué. Pour qu'il tombe. Alléluia. Amen. Je ne veux pas quand Jésus-Christ était l'homme le plus pauvre. Non. Je ne veux pas quand Jésus-Christ, il y a pas les choses que passent avec lui. Tu ne travailles pas. Il y a des bénédictions dans lesquelles tu ne rentres pas. Pas normal. Celui qui te barre le chemin, tu vas les faire tomber au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui ont besoin de tomber. Pour qu'il tombe. Amen. Ça a été fait comme ça. Amen. Amen. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, Dieu a dit à Moïse, dans le buisson ardent de celui-ci, je t'envoie le pharaon, mais moi-même j'ai endurci son cœur. Il y a des gens qui n'ont jamais se repentir parce que Dieu verrait qu'il tombe. Tellement qu'ils ont fait des vilaines choses, Dieu a gardé. Si tu vois quelqu'un qui est dans le mal et qui persévère dans le mal, qui ne change pas, qui t'agresse, c'est que Dieu veut le faire tomber. C'est parce qu'il n'a pas voulu quelque chose.
Si tu prononces, elle sera tombée. Amen. 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 Moi, depuis hier nuit, j'ai commencé à parler. Si tu regardes ma merde, je t'envoie ailleurs. Je vois que je suis en train d'écrire tout ce que je dois faire pour bénir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a fallu que David Saül meure pour que David devienne roi. C'est ma fille là qui m'a envoyé. Ça, c'est un trône. J'ai dit, mais c'est bienvenu. Parce que c'est bon pour son prophétie. Venez m'a déballer ça. C'est un trône. C'est bon pour son prophétie. On te fait posséder les trônes. Viens, lève-toi. On a des filles capables ici. Tais-toi de vous, aïe. C'est toi qui as fait. Merci à Benjamin Penga, un Camerounais qui nous suit depuis les États-Unis. J'en profite pour dire avant tout le mois de novembre, nous allons tout faire pour traduire nos cultes tous les dimanches en anglais. Parce que déjà sur le YouTube, nous avons 5000 vues par jour au niveau des États-Unis. Après la France qui fait déjà 7000 vues, la Côte d'Ivoire fait 11000 vues, nous avons les États-Unis. Donc nous pensons déjà, en direct le français seulement, nous avons 5000 vues déjà sur le YouTube. Parce que nous sommes suivis par 62 pays dans le monde entier, même les Arabes. 162 pays, même les Arabes nous suivent tout ça. Il y a des nombres de vues. Très bientôt, par rapport aux Américains, nous allons traduire les choses en anglais. Amen. Voilà, je dis aussi merci à Ida. Merci aussi à Edith. C'est ce qui nous a envoyé un micro baladeur. Elle est venue de la France. Elle est retourne, elle va repartir le. C'est quand dimanche ou le dimanche? Dimanche. Elle est là pour deux semaines. Elle nous a envoyé un micro. Voilà, elle va repartir. Je disais comme ça qu'elle, c'est après son programme, je suis venu à Zaroko. Je suis allé faire son programme à Zaroko. Et c'est comme ça qu'il y a le programme de Zaroko. Amen. Amen. À propos de merci. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent dans la prière. C'est pas du tout facile. J'ai posé avec un homme de Dieu. Il dit, ah, toi, tu es un ministère de solution. Où tu vas aider les gens. Nous, là, ça fait des sorties. On n'est pas un homme. On n'est pas un homme. Et puis, je suis content pour ça. Amen. Amen. Parce que quand il fait les bonnes choses, il n'est pas aimé. Dieu même qui l'aime. Ceux qui ne croient pas plus en lui, là sont nombreux. La plus grande religion au monde, c'est Bouddha. Oui. La plus grande religion au monde, c'est Bouddha, c'est les bouddhistes. Amen. Amen. Je suis content de faire ce travail. Là où il y a sorti, je l'attrape. C'est comme ça que je suis. Tu es content, tu n'es pas content, c'est comme ça. Je vais t'attraper. Quand Dieu te voit, il te met stop. Voilà. C'est pour cela que je suis maréchal de la brigade. Je vous mets au défi. Il y a un monsieur sorcier qui est venu ici. Il me cherche chez moi à la maison. Il est venu aussi. Je l'ai regardé. Il dit, toi, viens, il est tombé. Hein? Tu es fort. Il dit, ah bon, tu ne sais pas ça. Je dis, mon territoire, t'as même me gagner. Tu es malade. Mon territoire. Tu as venu, moi, me manger sur mon territoire. Hein? Tu as cru que... Qu'est-ce que tu es là? Tombé ici. On doit rendez-vous, il ne vient pas. Deuxième fois, la même, deuxième étape. Match refuse, riche plus. Si vous ne démontrez pas la puissance de Dieu, ça sera difficile pour les hommes de croire à la puissance de votre Dieu. Amen. Amen. Nous sommes à l'ère de la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ma parole ne se reposait pas sur les discours. J'ai dit aux gens, nous sommes plus en train. Ce n'est plus l'heure de trop parler. Amen. Amen. Je disais ça aux gens de Haïti, j'ai dit, organisez un débat. Organisez un débat télé. Il y a des gens qui ont trop parlé dans cette nation.
organiser un débat télé, et puis vous me prenez tous les féticheurs les plus dangereux de la Côte d'Ivoire, tous les mystiques les plus dangereux de la Côte d'Ivoire. Mettez-nous sur un plateau de télé. Si c'est moi qui commence, ils sont déjà à terre. Si, j'ai dit, ça sera en direct. Ça n'arrive pas, chassez-moi de la Côte d'Ivoire. Parce que je sais qui est Jésus. Amen. 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 Le pouvoir là, Dieu m'a donné ça. Dieu t'a donné. Tu fais d'amener pour toi. Moi, je t'en prie pour moi. Amen. Amen. Je t'en prie pour moi. Dieu t'a donné le pouvoir. Tu es là, quelqu'un vient te violer la nuit. Il vient t'embrasse la nuit, un saltine comme ça. Il t'embrasse, il t'embrasse la nuit. Chouin, il frappe ton mari, ta nez frappe ton mari. Tu fais l'amour. Amen. Amen. C'est des délégués à la sortie. Il fait chat noir de nuit. Sorcier. Il vole. Il s'envole, la belle fille là qui vient te l'embrasser. Oui, on a pris comme ça quelqu'un à Zegbe. Et lui, c'est nous, on a été regardé. Il te regarde la nuit, il est dans ta chambre. Vas-y, il dit, madame, toi, mais t'as dit, merde. Là, quand tu le vois la rue, tu ne peux même pas dire, tu n'es pas sûr. Mais la nuit, il est sur toi. Et puis quand il fait faire ça avec toi, il bloque à mettre ta patrie comme tu veux. Il t'empêche de procréer. Nous sommes dans un monde très dangereux. Sorcier partout, même dans les marchés partout. Je me souviens qu'en 2009, enfin, début 2009, j'étais à mon cabinet, ça c'était sur le plateau, au carrefour d'un camp, c'est là que je recevais dans le temps. J'ai reçu une jeune fille qui est venue de la réforme. Elle a un travail, elle est très mystique. Elle a un pouvoir pour attirer l'esprit des gens. Quand elle couche avec toi, tu as 3 jours de vie. Donc elle est venue spécialement faire les aveux, puis les délivrer. J'ai reçu aussi quelqu'un qui est aussi très dangereux. Lui, chaque mois, il a oublié de tuer un homme. C'est-à-dire physiquement, hein. C'est pas en sorcellerie. Il y avait un actif sur l'eau de la Côte d'Ivoire qui donnait, il prend un lèvre humain et puis il va vendre à 1 500 000. J'ai trop entendu les choses. C'est pour ça que vous, les filles, se promenez la nuit, on vous appelle, vous ne savez pas qui est qui. C'est maintenant l'esprit qui va sortir. Vous allez voir que les gens vont vous appeler, vous ne voyez pas, vous ne connaissez pas quelqu'un, ils vous embrassent. Ils vous embrassent comme ça. À cause de combien? Amen. 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 Je vous conseille beaucoup la vigilance. Alléluia. Amen. Et beaucoup d'efforts, doublé d'efforts dans la prière. Les mots sont très dangereux. Amen. 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 Très dangereux. Et le monsieur est obligé de faire des aveux. Il m'a dit pardon, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il y a une jeune, dame que j'ai rencontrée, mais là j'ai pleuré. Elle ne sait pas. Mais quand il voit un enfant, il a envie d'empoisonner l'enfant. Oui. Elle dit ça. Elle met de tous les cacao, les produits de cacao, là. C'est dans les galettes. Elle donne à l'enfant. Et il mange une meurtre. Elle a envie de tuer. Il y a des gens qui ont ces esprits-là. Les blancs appellent ça les tuer par l'enfant. Il y a des gens qui se font plaisir, ils voient les gens mourir. Vous allez voir que dans ce temps-ci, il y aura plein de choses comme ça. Plein de choses comme ça. Amen. Amen. Et il y a des gens qui sont dans le sécu qui t'empêchent à immerger. Dès que tu sois chrétien, ils t'empêchent d'entrer dans la bénédiction. Tu as beau prier, Seigneur, il y a une manière de le faire. Il faut le faire tomber. Amen. Alléluia. Amen. Je dis toi, on vous plaît ça. Alléluia. Amen. Pour cela que la partie de demain matin, moi, mais c'est là matin, on va commencer à parler à l'aurore. Parce que demain, il y a ce référentiel. C'est là que le matin, tout le monde sera en train de parler. Je vous ai dit, en pratique, chacun va avoir une bouteille. Chaque mois, l'alliance doit se renouveler. C'est comme l'huile du moteur. Amen. Il y a des choses que vous maîtrisez, aucun esprit méchant ne pourra avoir le pouvoir sur vous. Parce qu'un mois, notre amour, un autre mois, ça se prépare. Cette transition, on ne joue pas avec ça. On dit Amen. Amen. Boulet va tomber. Amen. Je me suis assis sur ton mariage. Il ne veut pas dire que tu te maries. Pendant ce temps, tu rencontres les hommes les plus intéressants. Prends pas le mariage. Et là, il fuit. Il va t'embrasser. Tout le monde va donner l'argent. Tu vas aller manger. Mais quand on dit mariage, Orange, bonjour, vos correspondants n'étaient pas très loin. Appelez. Le portable ici, Orange, bonjour.
La chaîne de plus. Tu t'insistes, le Coran a dit monsieur, pardon, ma soeur. La chaîne de plus. Comme on en a dit, monsieur, la chaîne de plus. Avec la phase de mariage. Parce qu'il y a quelqu'un qui est assis sur ton mariage. C'est comme ça, il est assis là. Il t'a réglé comme ça, tu ne dois pas te marier. Ce monsieur-là, s'il ne tombe pas, il sera pour toi difficile de connaître le mariage. Amen. C'est ça que Dieu a déchu le cœur de Pharaon. Dieu a dit à Moïse, frère, va. Lui-là, je vais déchirer son cœur. C'est pour le dire. Donc Pharaon, Moïse part, il discute avec Pharaon. Pharaon parle, malgré les prodiges, les miracles qu'il voyait, son cœur est endurci. Frère, si tu vois quelqu'un le cœur endurci, tu as beau faire, c'est que Dieu veut l'éliminer. Amen. 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 Rien de ce soir, il faut commencer à préparer son dossier. Amen. 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 Alléluia. Amen. On va l'expédier à Mauritanie. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dimanche matin, loin du bûcher, ça y est, fait le feu. Chacun va acheter le nom de son sorcier. Amen. Je ne dis pas là où il soit le feu, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Ce n'est pas question du sang de Jésus. Il y a des actions quand tu mènes là, c'est plus rapide que le sang de Jésus. Jésus ne rendait pas le monsieur à venir. Amen. Quand le Père va pas venir, c'est vrai ici. Jésus là, il le respecte. Amen. Son sang est fait pour nous purifier. Et le combat se passe sans Jésus qui vivant. Alléluia. Amen. Nous avons fait le péché, nous avons parlé, jeté la chose. Au fur et à mesure, il faut que Goliath tombe. Celui qui est assis sur ton mariage. Amen. Amen. Saül est assis sur le trône d'Israël. Après, il y avait un oint. David était le oint de Dieu. Il était le oint. C'est intéressant là, le trône. C'est vraiment. Déchets plus. Il y a des dons qui touchent le cœur de l'homme. Ben, c'est vraiment inspiré. Venez le dimanche là. Chacun va venir s'asseoir du temps. Dieu te dit, viens t'asseoir sur ton trône. Amen. Amen. Je parle du cas celui qui est assis. Parce que quand on est assis sur le trône, il sera difficile pour vous. Parce que tu es un roi sans trône. Vous savez, quand tu es béni, hein, quand tu es un roi, quand tu es assis sur ton trône, tu ne permets pas de penser à Dieu contre toi. Dès que tu penses à quelque chose à Dieu, tu n'as pas bien droit de travailler. Tu n'as pas bien. Amen. 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 Si tu assises sur le trône du mariage, c'est le monsieur lui-même qui va se déplacer pour venir te prendre. Amen. Tu dis aux oies, allons dans la mairie. Allons, c'est pas trop maintenant. Amen. 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 Tu es un roi sans trône. David était roi. Il n'avait pas le trône. Amen. Il avait toutes sortes de problèmes. Il n'avait pas le trône. Il n'avait pas le trône. Il y avait un roi déchu qui était sur le trône, le sorcier, qui voulait forcément l'éliminer. Mais c'est quand Saül est mort que David a pris le trône. Amen. Amen. Il va tomber pour que tu te maries. Amen. Amen. Dieu l'a fait tomber. Alléluia. Amen. À cause de toi seul, Dieu fera tomber toute cette armée satanique. Amen. Amen. Pleinement dans ta destinée. Amen. Alléluia. Dieu ne s'est pas mêlé. Il dit avant. Il a mené Moïse, toi de Pharaon. Toutes sortes de choses. Arrivé à un moment donné, voici la mer rouge. Et quand je regarde l'histoire, il dit, mais Dieu a compris. Vous savez, tout ce qu'on vous fait dans le secret, Dieu garde ça. Dieu garde dans son cœur. Vous avez dit, Dieu est rancunier. Oui. Prenez Habakkuk, chapitre 2, le verset. C'est ça, Habakkuk prend le verset 2. C'est ça. Habakkuk, c'est le petit prophète. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est comme Bible? Montrez-moi les Bibles. Les Bibles. Habakkuk le chapitre 1, le verset 2. Habakkuk le chapitre 1, le verset 2. Les petits prophètes. Vous avez cherché, je suis quand même. Tellement qu'ils sont étrangers à Jérusalem, tant qu'ils se baladent. Ils sont étrangers. Vous connaissez pas Habakkuk? Oui. Jusqu'à quand, ô éternel, Habakkuk le chapitre 1, le verset 2. Jusqu'à quand, ô éternel, j'ai crié et tu ne m'écoutes pas. Ouais. Naomi, plutôt. Naomi. Merci, excusez-moi. Naomi. Naomi, plutôt. Naomi. L'éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. Il se venge.
L'Éternel se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Ça veut dire que tes adversaires sont les adversaires. Il garde la rancune à ses ennemis. Amen. 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 Il garde la rancune à ses ennemis. Il a dit à Israël, tous ceux qui observeront mes commandements, qui mettront en parole et en pratique mes paroles, leurs ennemis seront les ennemis. Amen. Et pourquoi tes ennemis sont les ennemis de Dieu? Il a gardé en cul. C'est ici comme ça, il a dit à garder ça dans le cœur. Regardez l'histoire de Pharaon. Regardez l'histoire de Pharaon. Le jour, avant la naissance de Moïse, les astrologues, les magiciens, la sorcellerie égyptienne avait déjà détecté qu'il devait en naître parmi les Hébreux un enfant qui devait sauver tous les Hébreux. Amen. Amen. Donc qu'est-ce qu'on fait? On donne l'argent aux sages-femmes pour tuer tous les mâles, les enfants, garçons, Hébreux. On les prenait, qu'est-ce qu'on faisait? Quand il y a l'histoire, on les jetait dans le fleuve Nil. On les jetait dans le fleuve. Amen. Amen. On les jetait dans le fleuve. Dieu a gardé ça. Et vous allez faire un plus de tuer les enfants. Dieu prend la mère pour vous tuer. Amen. Dieu a gardé la chose. Et quand il veut faire périr les Égyptiens, c'est l'eau. Amen. C'est pas la mort d'envoyer, c'est l'amour qui retourne dans leur cœur. Dis Amen. Amen. C'est ça qu'il a fait périr toute l'armée d'Israël, d'Égypte, de Pharaon, dans la mer rouge. Amen. Dieu garde la vie. Tout ce qu'il faut faire dans le ciel, Dieu a mis tout ça. Amen. Amen. Tu peux maintenant te diriger dans la prière, attaquer les diables. Tu pries jusqu'à ce qu'il ne change pas. Il faut l'esprit Dieu. Amen. C'est ce qu'on fait. Amen. C'est moi là, c'est pas une question de Seigneur, la grâce changée, Seigneur, la terre au paradis, Seigneur. On a dépassé les morts, on dit Seigneur. Amen.